Une petite dose de drogue de synthèse pour aller avec votre futur décadent. Bienvenue dans les chroniques de Laurent Coutan. Aujourd'hui, je vais vous présenter la série culte du label Vertigo, le comics Transmetropolitan. Cette série, scénarisée par Warren Ellis et dessinée par Darick Robertson, nous amène dans un futur proche, dans un futur décadent où notre société a continué de dégénérer, de plonger dans les vices et dans la corruption. Le personnage principal de cette histoire, Spider Jérusalem, est d'abord présenté comme un ermite vivant dans sa montagne, s'amusant de son arsenal d'armes, mais également de sa réserve gigantesque de drogue. Un jour, son éditeur l'appelle pour lui rappeler qu'il est sous contrat. Il a 2 livres à produire, sinon, tout ce qu'il possède est propriété de l'éditeur et lui sera enlevé. Il n'a donc pas d'autre choix que de retourner en ville et de replonger dans les bas-fonds afin de chercher le scoop, de suivre la corruption, afin d'écrire ses 2 livres et d'être enfin tranquille. Cette série est une critique sociale, virulente, avec un langage cru, direct, plutôt violent, mais qui rappelle qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des implications demain et que si on laisse la société dégénérer, on pourrait se retrouver dans quelque chose de similaire. Je ne peux que vous conseiller de lire cette série. Au départ, j'ai détesté les comics et un ami qui m'a forcé à lire ce comics me disant « Tu dois lire ça ». Depuis, malheureusement, j'en lis beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à nous mettre un petit like et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Signez Lausanne. À la prochaine.